Good morning, allez, Iden, les sous-trois aujourd'hui, les lunishmat, Avram, Chaïn, Orbeo, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, Yedida, Bethester et Eliaou, Vanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah à contacter le 5 minutes éternelles, nous étudions ma secrétaire Chin, par exemple, Mishnah, Hey, Alokear, Sadeh, Me Aviv, Met Aviv, Vachakach, Igdisha, Arehi, Kizde, Achuza, Igdisha, Vachakach, Met Aviv, Arehi, Kizde, Mikna, Divré, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Omrim, Kizde, Achuza, שנאמר, ואם עץ שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יוצאת זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה. שדה מקנה אינה יוצא לכהנים ביובל, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, אשר מרת לה פור לממון, פסקטוסה, זה אנגרו מורסו, אפיר כזה, יתול דביל למשנה, כי נקומפרנסיבל כסיון קונה, לסוויט דו למשנה. C'est didactiquement, c'est pas extra. Ça aurait été mieux de commencer par la dernière petite phrase et puis après seulement de commencer par la grande partie. Donc je m'arrête là d'abord pour expliquer de quoi on parle ici. Vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on a lu, on a parlé de Sdeh Achuza et Sdeh Mikna. On en a déjà parlé à l'oral, on a déjà vu une Mishnah qui les a comparés, même d'ailleurs. Concrètement, c'est explicite dans la Torah. On a appris jusque-là que lorsque je sanctifie un champ, alors. On a parlé, si c'était mon héritage que j'ai reçu de mes pères, quoi, jusqu'à Yeshua Bin Nun, alors j'entretiens un portrait particulier avec ce champ qui impliquait toutes sortes de halakhot, à savoir le prix à payer lorsque je vais vouloir le racheter. Et même mieux que ça, ce qui nous intéresse pour notre Mishnah, c'est qu'est-ce qu'on fait après, lorsqu'une tierce personne va venir le racheter. C'est-à-dire, j'avais ma parcelle de terre que j'ai reçue de mes ancêtres, depuis jusqu'à Yeshua Bin Nun, c'est ma parcelle. Je la sanctifie. Je l'offre donc au Beth Amikdash. Et le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, me propose de la racheter. Je lui dis non, je n'ai pas envie de racheter. Va venir Reuven et va la racheter. Donc là, on a appris que Reuven va la racheter. Il va l'exploiter jusqu'au Yovel. Et lorsque viendra le Yovel, il devra la donner non pas à moi, le propriétaire, mais la donner en cadeau au Kohanim. C'est explicite dans la Torah. La Torah a dit que Vaya Sadeh Betsato va Yovel. La Kohanim, c'est plus ou moins le Pasuk, c'est explicite dans le... l'ouvrir si vous voulez, quoi. Il y a, donc on est dans le Bechokotai, et la Mishnah, la Torah me dit explicitement, Vaya Asadeh Betseto Bayovel, Vim Etsede, Vim Agdish Igalet Beto, Vesef Hamishit, Vim Nisida Chuzato, Yagdish Ish Lashem, Vaya Kecha Lifnei Zero, voilà. ואם לא יגאל את השדה ואם אחר את השדה להישחרר לא יגאל עוד והיה השדה בצאתו ביובל קודש לשם כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו lorsque le champ sortira au Yovel, eh bien il va pas racheter le champ et ce sera quelqu'un d'autre qui va le racheter alors le champ lorsqu'il sortira au Yovel, au lieu que ça lui ressorte et que ça revienne au patrimoine de la famille eh bien, ça arrivera au Kohanim en cadeau. D'accord? C'est explicite dans le Torah. Maintenant, si on a le passage couvert, alors on va découvrir l'autre cas, qui n'est plus le Sade Achuza. Vous voyez, il y avait marqué dans le passage, Vimisde Achuzato, c'est le Sade qui est Achuz, qui l'attrape, qui le tient en héritage, ou bien ça c'est dans le passage de Zayn. Eh bien, dans le passage Chavbet, le passage me dit Vim et Sede Miknato, Asherlo Misde Achuzato, Yagdish Lachem, tandis que si c'est le champ qu'il a acquis de quelqu'un, qui n'est pas donc sa parcelle de champ qu'il a hérité de ses ancêtres, alors dans ce cas-là, le Kohen le calculera, on ne calculera plus selon la valeur de Zerachomer, Seorim, Chamchim, Shekel, Kesef, comme c'est le prix fixe, mais plutôt selon la valeur exacte, et mieux que ça, et il devra le payer, et Bishnat Ayuvel, Yashuv Asadel, Asher Kanaum Meito, Asher Lo Achuzat Haaretz, et lorsque le champ sortira au Yovel, il faudra le rendre au propriétaire. Je m'explique un petit peu mieux. Et il y a deux cas de figure. Il y a le cas où j'ai ma parcelle que j'ai reçue en héritage, je la sanctifie. Alors là, je l'ai sanctifiée en Gdusha au gros top. Si je ne la rachète pas moi-même, et que ce sera Reuven qui va venir la racheter, par exemple, Reuven exploite le champ jusqu'au Yovel, et quand arrive le Yovel, il ne la rendra plus à moi. C'est mon point, ça a été perdu. Il devra la rendre au Kohanim, c'est les Kohanim qui seront en ce moment de service au Beth Amikdash, qui recevront cette parcelle de terrain. Toutefois, si j'achète la parcelle de terre de Réhouven, de sa tribu, par exemple, je l'achète,
Donc j'ai acheté un droit d'exploitation pour 50 ans. Si je vais sanctifier ce champ, alors la Torah me dit, tu sais, au Yovel, le champ reviendra, je vais sanctifier, puis il va y avoir une autre personne, Yehuda, il va venir, il va racheter ce terrain. Eh bien, Yehuda, il va racheter le terrain, il va l'exploiter jusqu'au Yovel, mais lorsque le Yovel viendra, il devra le rendre au propriétaire de celui que j'ai acheté. Pour quelle raison? C'est très simple. Je vais illustrer ça. Si je sanctifie ma montre, eh bien, ma montre, elle est devenue kadosh. Intrinsèquement. Mais si toutefois, j'emprunte votre montre, vous la prêtez pour une semaine, ou je loue votre montre, et je la sanctifie ensuite pendant qu'elle est dans mes mains, je ne peux sanctifier que ce que j'ai, que ce que je possède. Qu'est-ce que je possède de votre montre? Le droit d'utilisation pendant une semaine. Donc pendant une semaine, je vais sanctifier l'utilisation pendant une semaine. Le guide, je vais prendre cette montre et va la louer à quelqu'un d'autre pendant une semaine et tirer le profit d'une semaine. Mais je ne vais pas pouvoir sanctifier la montre, puisqu'intrinsèquement, elle ne appartient pas à moi. C'est la vôtre. Même principe avec le champ. Si j'achète votre champ, lorsque j'achète, la Torah m'a limité en disant, tu sais, tu l'achètes que jusqu'au Yovel. Tu ne l'achètes pas pour éternellement. J'ai un droit d'exploiter, j'ai un bail jusqu'au Yovel. De ce fait, je vais sanctifier le droit d'utiliser jusqu'au Yovel. Mais pas plus, parce que la terre, elle vous appartient à vous. Donc il n'y a aucune raison qu'on va vous punir ensuite, quand va venir le Yovel, qu'on va donner cette terre au Kohanim. Qui l'a donné? Qui l'a offerte au Kohanim? Moi? Moi, je n'avais pas la possibilité, le champ n'était pas à moi. J'avais qu'un droit d'exploitation, j'avais qu'un bail pour 50 ans. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'a enseigné. Je relis ça directement dans les mots, comme ça, après, on s'est acquitté de cette partie-là de la Mishnah. Et après, on va attaquer le début de la Mishnah. Sade Mikna, le champ que l'on achète, que l'on acquiert de quelqu'un, Ena Yotza la Kohanim Bayovel, elle ne ressortira pas, elle ne reviendra pas au Kohanim lorsqu'arrivera le Yovel. Pour quelle raison? Chez En Adam Magdish Davar, chez Enoshelo, car un homme ne peut pas sanctifier une chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, comme je vous ai pris avec l'exemple avec la montre, je ne peux pas sanctifier votre montre. Au maximum, je peux sanctifier l'utilisation de la montre. Même principe, lorsque j'achète votre parcelle de terrain et que je la sanctifie, je ne peux pas sanctifier la parcelle de terrain. Je peux sanctifier, parce que c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Au Yovel, elle vous revient. Donc ce que j'ai, moi, c'est quoi? Un droit d'exploitation jusqu'au Yovel. Ça, je vais le sanctifier, mais pas plus. Voilà, on a fini cette partie de la Mishnah. Et puis maintenant, on revient de ce fait, maintenant, une fois qu'on s'est bien distingué le Sdeachuza du Sdemikna. Sdeachuza, c'est le champ d'héritage. Et Sdemikna, c'est le champ qui a été acheté, qui a deux halakhot différentes par rapport au Yovel. Alors la Mishnah, maintenant, va me faire entrer dans un cas très original. Alokar Sadem et Aviv, celui qui achète le champ de son père. Donc pour le moment, c'est un acheteur. Si le père reste en vie jusqu'à 120 ans, donc il va passer plusieurs Yovel même depuis, le fils est un acheteur, il va sanctifier le champ, il n'y a aucun problème, il sanctifie le champ, il a sanctifié son droit d'exploitation jusqu'au Yovel. Et au Yovel, le père, il récupérera sa terre. Pour le moment, tout va très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Met Aviv, son père, est décédé. Et là, il va y avoir deux cas de figure que la Mishnah va parler. Il y a d'abord son père est mort et seulement après il va le sanctifier. Arehi kisde achuza. Le champ aura le même statut qu'un sde achuza, qu'un champ qui a été acquis, qu'un champ qui a été hérité. Par contre, higdisha ve'acharkach met aviv, s'il l'a sanctifié et seulement après il est mort son père, alors dans ce cas-là, arehi kisde mikna. Le champ aura un statut d'un sde mikna, d'un champ qui a été acquis. J'explique un petit peu mieux de quoi on parle, c'est pas compliqué. Vous avez compris la situation. Le fils, Réhouven, il a acheté le champ de son père, Yaakov. Pour le moment, Réhouven, c'est un acheteur. Donc il entre dans la paracha, pas dans la partie qui nous parle du sde achuza, mais plutôt dans la partie du sde mikna. Il va sanctifier le champ, quelqu'un d'autre va le racheter, le Yovel arrivera, le champ reviendra à Yaakov. Pour le moment, tout va très bien. Ce qui se passe, c'est que là, on va parler d'un cas un peu particulier. Réhouven achète le champ de son père Yaakov, et Yaakov décède soudainement. Alors là, le champ il va changer un petit peu de statut, parce que même si Réhouven il a acheté le champ, mais c'est un champ acheté qui a pris ensuite un statut, même partiellement, on ne va pas entrer dans des petits détails, mais en tout cas, il a pris aussi un statut, il a un rapport maintenant avec ce champ d'héritage aussi. De ce fait, s'il va sanctifier le champ, alors la Mishnah m'enseigne, ça c'est un cas simple, admis, s'il a sanctifié le champ, ça s'appelle qu'il a sanctifié son Sde Achuza. Même s'il a acquis le champ initialement, mais il a changé de statut en route, puisque maintenant il est devenu, c'est devenu maintenant sa parcelle, qu'il est, même s'il y a d'autres frères par exemple, même s'il y a d'autres frères, il a un rapport de Sde Achuza avec ce champ, donc dans ce cas-là, s'il le sanctifie, au Yovel, le champ sortira au Kohanim. Ça c'est le premier cas.
le cas le plus élémentaire. Donc, il a acheté le champ, il n'a pas encore été Magdish, que le père il est décédé seulement après il est Magdish. Il y a maintenant un cas un peu intermédiaire. Peut-être qu'on va d'abord passer dans le cas complètement extrême. Il a acquis le champ, il l'a sanctifié, quelqu'un d'autre est venu le racheter. Ouais, quelqu'un d'autre il est venu le racheter. En théorie, Yaakov va le récupérer. Il s'avère qu'ensuite Yaakov décède, et ben le champ reviendra à Reuven. Pourquoi? Parce que ni au moment où il a acheté, ni au moment où il a ensuite où il l'a pas racheté, c'était pas encore son Sdeh Chouza. Il n'y a aucun problème. Le cas intermédiaire où il y aura une marloquette maintenant dans notre Mishnah, c'est le cas où Reuven acquiert le champ de son père. Reuven sanctifie le champ. Le Gizbar n'a pas le temps de le proposer à la vente, que maintenant Yaakov décède. Il s'avère que maintenant, le droit de Reuven de racheter, c'est un droit de propriétaire, apparemment. C'est entre les deux. C'est-à-dire, au moment où il a fait le Hekdesh, c'était pas encore un héritier. C'était un acheteur. Mais après, au moment de le racheter, il est devenu héritier. Sur ça, il y a une marloquette. Que Rabbi Meir m'enseigne comme ça. Je relis maintenant, je traduis dans le Mishnah, dans les mots. « Alokar sadeh me'aviv, celui qui va acquérir le champ de son père. Et ensuite, met aviv, son père décède. Vachav karik disha, et seulement après, il le sanctifie le champ. » Dans ce cas-là, Arehi qui se déachouza. Le champ aura un statut de déachouza, d'héritage. Par contre, Igdisha, s'il l'a sanctifié, Veachar Kachmet Aviv, et après son père est mort, alors là, la Mishnah enseigne, ben, Arehi qui se démikna, ça aura un statut de démikna, d'un champ acquis, et non un champ d'héritage. Pour quelle raison? C'est normal. Comme il nous dit le premier mot du Barthénora, des bâtards Shaash et Igdisha Azlinan. On va selon le moment où tu l'as sanctifié. Est-ce que tu étais acheteur ou tu étais héritier? Réponse, tu étais acheteur. Alors, sans statut d'acheteur, le champ te reviendra finalement au Yovel. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omrim, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ce n'est pas comme ça. Ils déduisent d'un pasouk d'une lourdeur, d'une insistance bizarre dans le pasouk. Ils déduisent que ce champ-là aura un statut de Sdeh Chouza. Même si au moment où il l'a sanctifié, mais au moment où il doit le racheter, il ne le rachète pas, il est devenu héritier, ça aura un statut de Sdeh Chouza. Comme nous dit le pasouk chez Nehemar, Ve'im et sede miknato asher lo misde achuzato. Sade shena reuya liyot sade achuza. Yotzezo shi reuya liyot sede achuza. On traduit. Regardez l'insistance du pasouk. Ve'im et sede miknato, et si c'est un champ qu'il a acquis, asher lo misde achuzato, qui ne fait pas partie du champ qu'il a eu en héritage. Eh, chaque fois que tu acquiers quelque chose, tu ne l'as pas hérité. C'est quoi cette insistance de me dire un champ que tu as acquis qui n'est pas un héritage? Soit tu acquiers, soit tu hérites. Tu ne peux pas acquérir un champ qui n'est pas d'héritage, c'est évident. Cette insistance, elle est venue me dire justement qu'on parle que la halakha du sdemikna, du champ que tu as acquis, elle a été dite que sade shena reuya liyot sede achuza, un champ qui est impossible, qui ne va pas devenir ton héritage par la suite. Yotzet zo, à exclure ce cas précisément, ou Sheireuya Liot Sede Achuza, où le champ que tu acquiers, il est apte à devenir ensuite ton héritage, c'est-à-dire le cas qu'on a donc dit, que lorsque tu l'as sanctifié, tu étais pour le moment acheteur, mais après, quand tu te demandes de le racheter, tu es déjà héritier, et malgré tout, tu ne le libères pas, tu ne le rachètes pas. Alors dans ce cas-là, la Torah est venue justement m'inclure en me disant, sache que tu n'appartiens pas. Tu es plus dans la partie de la Torah qui parle du Sdeh Mikna, mais plutôt dans, ton statut, il aura le statut de l'Alra du Sdeh Achuza. D'accord? Et après, donc la phrase, on l'a retraduit. Sadeh Mikna en ayot sarah lakonim bayovel, shen adam akdish davar shen shelo. Juste préciser, un champ que tu acquiers, sache qu'il ne reviendra pas au Kohanim lorsque le Yovel arrivera. Pour quelle raison? Shen adam akdish davar shen shelo, car un homme ne peut pas sanctifier une chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, lorsque tu achètes un champ, tu as juste un droit d'exploitation. Ce que tu peux sanctifier, c'est le droit d'exploitation, mais pas le champ intrinsèquement, puisque c'est pas à toi. Dernière partie de la Mishnah. Kohanim ulvim makdishim le'olam ve'goalin le'olam ben lifnei ha'yovel ben le'achar ha'yovel. Les Kohanim et les Lévim, ils peuvent sanctifier leur champ à n'importe quel moment, et ils peuvent libérer, racheter leur champ aussi à n'importe quel moment. Ben lifna yovel, ben l'achar yovel, qu'il s'agisse d'être, qu'il soit avant le yovel ou qu'il soit même après le yovel. On va préciser un petit peu de quoi on parle, que... Non, ça va rallonger trop le cours, je préfère pas le faire. On a qu'à, très rapidement, le passage qui est c'est très simple. Il y a dans le Perek Rafé, dans le Parashat Béar, on apprendra toutes sortes, on a déjà évoqué, on a commencé à en évoquer pas mal quand même, d'Alachot,
des champs ou des maisons qu'on acquiert et qu'on revend. Vous savez d'abord que les Kohanim et les Lévim n'ont pas reçu de parcelles de terre à exploiter, de parcelles, comment dire, agricoles. Ils ont juste reçu 48 villes. Des villes où ils pourront habiter dedans, ils ont des maisons. Leur fonction, eux, ce n'est pas de travailler à la terre, c'est plutôt de servir au Beth Amikdash, d'être les gens du Ruach, les gens de l'esprit du peuple. De ce fait, le peuple doit les entretenir, alors donner les Trumot et les Masrot et les 24 Matnot Kiouna qu'on a lu dans le Parashat Korach, qu'on lit dans le Parashat Korach. D'accord ? Ils ont toutes sortes de cadeaux, et grâce à ça, ils vivent, et ils ont « Ba'artzam lotinchal » la Torah l'a dit. Tu ne rideras pas dans leur terre. Les Kohanim et les Lévim, ils n'ont pas eu de terre. Ils ont juste reçu les villes. D'accord ? Des villes, 48 villes. Et voilà. Maintenant, la Torah l'a précisé d'alachot très particulière pour eux. Si un Israël, lui, il a d'alachot spécial lorsqu'il va acheter ou il va vendre un champ, qu'il sera limité jusqu'au Yovel, pour toutes sortes de choses, par exemple, lorsqu'il va vendre une maison, par exemple. Lorsqu'il va vendre une maison, il a un an pour acheter, après c'est fini, il aura perdu à jamais la maison. Lorsqu'il va sanctifier le champ, alors il devra lui le racheter tout de suite. Et sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui rachète, il aura perdu le champ parce qu'il reviendra au Kohanim. D'accord ? On a pris toutes sortes de limitations, de limites que la Torah a précisées pour les Israël. Alors la Torah nous dit dans Parashat Behar, qu'elle me précise toutes sortes de halakhot pour les Kohanim spécialement, qui m'enseigne en fait que les Kohanim. Je ne vais pas le trouver, c'est dommage, je pense que je vais prendre trop de temps. Va'aré aléviim, bon, j'ai trouvé tout de suite. Va'aré aléviim, bate aré achuzatam, geulat olam tihiyé l'aléviim. La Torah me dit, pour les villes des Léviim, et inclure les Kohanim qui vont avec aussi, parce qu'ils ont les mêmes villes en fait, les Kohanim c'est une sorte de Léviim, un peu plus, mishuchlalim, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est aussi, ça fait partie aussi des Kohanim. Les villes des Kohanim, Bate Aré Achuzatam, les villes qu'ils auront reçues, donc au partage des restes d'Israël, Geulat Olam Tiyel Alevim, ils auront le droit de les racheter éternellement. C'est-à-dire, c'est ce que la Mishnah vient m'enseigner sur cette partie-là en me disant Kohanim Olevim, les Kohanim et les Levim, Magdishim Leolam, ils peuvent sanctifier à n'importe quelle période de l'année, alors qu'un Israël ne peut pas sanctifier pendant le Yovel. Le Yovel, t'es pas propriétaire en fait. On ne sanctifie pas au Yovel. On ne vend pas au Yovel non plus. Le Yovel, on restitue les terres et chacun y récupère. Et on reste dedans pendant un an au moins, avant de repartir pour un nouveau cycle. Pour les Kohanim et les Lévim, eh bien, ils peuvent, Magdishim et Leolam, ils peuvent sanctifier à n'importe quel moment, même pendant le Yovel. Mais mieux que ça encore, les Goalim et Leolam, ils peuvent racheter aussi à n'importe quel moment, Ben Nifna Yovel, qu'il s'agisse d'avant le Yovel, comme à Israël, Ben Nachar Yovel, que ce soit aussi après le Yovel, ils auront éternellement le droit de racheter, si toutefois ils vont vendre une maison à Yerushalayim, par exemple, dans la ville fortifiée, il faut savoir, c'était une ville. Une ville, je crois, qui appartenait aussi aux Lévis. Je ne suis pas sûr de mon coup. Non. Hebron, en tout cas, c'est une des villes, une des Aré Miklat, par exemple. Eh bien, celui qui a une parcelle de terrain à l'intérieur dedans, c'est que ce n'est pas d'avoir une maison, en fait, dans Israël. S'il a une maison, c'est qu'il a forcément acheté d'un Lévi. Le jour où le Lévi voudra venir acheter sa maison, à n'importe quel moment, après même 30 ans, 40 ans, 70 ans, quand il veut, il vient, il repaye la maison et le Israël doit ressortir pour rendre la maison au Lévi. D'accord ? Ce que la Mishnah m'enseigne, donc. Je retraduis, Kohanim Olvim, Magdishim Leolam. Les Kohanim et Levim, ils peuvent sanctifier toujours, même pendant le Yovel. Vegoalin Leolam, ils pourront libérer, racheter leur terre, toujours même. Ben Lifna Yovel, que ce soit qu'on soit avant le Yovel. Ben Neacha Yovel, ou bien que l'on soit même après le Yovel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. C'est là.